Il y a toujours plus de Mercians sur nos routes. Un moyen de glisser d'ici à Bolingbrock sans qu'on vienne te réclamer quelque chose. Ce monde, ça ne facilite pas la contrebande. La contrebande n'est jamais facile. Mais je préfère ça à payer un tribut. Question de céder devant la couronne de Mercy. On s'est battu ici. Mais pourquoi? Un affrontement entre des nobles et des bandits, qui n'a pas tourné à l'avantage des brigands. Une cape de noble, ornée d'un signe. On dirait que l'Elderman est passé par ici. Je connais une porte scellée qui brûle de rencontrer cette porte. Un noble saxon a payé des bandits pour pouvoir emprunter ces tunnels et rejoindre le château de Bolingbrock. Les nobles de Mercy ont passé un marché avec des bandits. Ils les ont payés pour pouvoir se faufiler dans ces grottes. Ensuite, les bandits ont tendu une embuscade aux nobles. Mais cela s'est mal fini pour les brigands. Et dans la lutte, la cape de l'Elderman a été déchirée. Il s'en est sorti et a fui vers l'est, le château de Bolingbrock. C'est ma meilleure piste. À quoi on peut bien servir. Paix pour des pêches charognes. Attends!
consigne. Vous vous... Cette conduite de moi n'est pas une porte. Vous avez mérité un... Des herbes et des baies séchées, réduites en poudre. Le délai entre le départ de Monseigneur et ses funérailles est plus long que de coutume. Monseigneur doit rester présentable pour les rites à venir. Des déjections de rats partout. Même mort, Monseigneur est l'ami de toutes les créatures de Dieu. Je ne sais pas ce que c'est, et je préfère ne pas demander. Oui, j'ai pensé la même chose. C'est troublant. Des vêtements moisis, et une broche ornée d'un blason. La maison du cygne féroce. Cela fera l'affaire. Je vais rapporter cette broche à Unvald à Lincoln. J'espère que cette triste nouvelle ne l'éprouvera pas trop. Maintenant que la mort de Unbeort est ébruitée, les ennemis de Unvald risquent de frapper. Je dois le trouver avant eux. Atcha est allée le réconforter. Je ferai bien de la suivre.